Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que tu me dises, Amandine, j'ai envie que tu m'accompagnes? Il y a d'abord les confinements où moi, il y a cette partie qui s'est retrouvée enfermée, contrainte, etc., pas reliée au monde. Et ça m'a beaucoup affectée. Il y a une très grande envie de travailler différemment. Je sentais qu'il y avait besoin d'un switch dans ma façon de travailler et probablement dans ce que j'offre aussi. J'avais vraiment la sensation d'avoir besoin d'être accompagnée pour aller chercher ce qui avait besoin d'être justement, de s'ouvrir. Il y a pour moi une question de douceur, d'évidence, de féminin, etc., de reliance. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça ce qu'il me faut. C'est exactement ça ce qu'il me faut. Il y a une question d'aller chercher à l'intérieur, de dévoiler, de faire sortir les richesses, d'accoucher finalement de quelque chose qui a besoin d'être accompagné doucement. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais posé pour toi, de qu'est-ce que j'ai envie que cet accompagnement m'apporte ? Je me souviens d'un grand besoin de clarté, de renouveler ma communauté, de savoir quelles étaient mes priorités, de retrouver du goût à du feu, en fait, dans ce que je ferais, pour prendre un grand bol d'air frais, ouais, et retrouver de la clarté et du coup des axes, mais qui soient plus organiques, quoi. Pas seulement réfléchir et dire il faut aller par là, mais que ça soit une évidence, en fait. Par rapport à ce qu'on a vécu pendant l'accompagnement, est-ce que tu peux me dire ce que tu as le plus aimé ? Il y a peut-être eu des points déclencheurs ou des choses qui se sont passées qui font que il y a quelque chose qui est sorti. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plein de petites pièces de puzzle qui, petit à petit, reposaient des bases, des images, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une image complète. Mais il y a quoi ? Il y a 2 semaines, c'est-à-dire après la fin, tout à coup, il y a une image complète. Alors, je peux parler des super séances qu'on a faites toutes les deux, avec des visualisations, des exercices énergétiques, de se connecter finalement à la personne à laquelle on s'adresse. J'ai une image. Où j'avais, en tout cas, une image assez précise de à qui je m'adresse. Et là, c'est devenu hyper clair. Je la sentais plutôt que de la conceptualiser. Et ça change quelque chose de la sentir vraiment. Mais oui, en fait, moi, ce que j'ai à offrir, on peut vraiment travailler pour une autre richesse. Vraiment travailler pour un argent yin, montrer qu'on peut se servir de l'argent différemment, qu'à partir du moment où tu transformes ta relation à l'argent, tu n'as plus besoin de surconsommer. Et ça, c'est à la fois individuel et collectif. Mais ça, c'est un petit peu ce que je commence à comprendre beaucoup mieux depuis que j'ai commencé ce parcours-là qu'on a fait ensemble entre l'accompagnement one-to-one, la magie des lancements et toutes les petites choses qui étaient autour. Disons que cet aspect systémique collectif, je le voyais bien, mais je voyais moins bien les ramifications, je savais moins bien l'expliquer, en fait, que je comprends maintenant.